Juste un matin, il dit c'est fini. Parce qu'il part retrouver une femme qu'il aimait perdument depuis un an. Et maintenant, je suis là devant vous. Devant ma petite fille. Et on fait quoi, hein? J'ai aimé une femme. Elle s'appelait Mathilde. Elle s'appelait toujours Mathilde, d'ailleurs. Comment vous l'avez rencontrée? Une autre fois, peut-être. Allez, racontez-moi une histoire. Je l'ai vue pour la première fois le 8 juin 1990, vers 11h du matin, air local à Hong Kong. Fanny, c'est entier. Monsieur Singh dit que vous n'êtes pas concentré parce que vous êtes en train de tomber amoureux. Ah non, 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 ça va, I am calm. Dites-lui que c'est pas vrai, que ça va. Ce n'est pas vrai. Je savais pas qu'on pouvait aimer comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je croyais que j'étais pas programmé pour aimer comme ça. Il n'y a pas une journée où je pense pas à elle. Je me réveille tous les jours avec elle. C'est Mathilde qui m'a appris à vivre. Viens. Le monde m'appartenait. J'ai laissé partir l'amour de ma vie. Je suis resté avec une femme que j'ai définitivement abîmée. Qu'est-ce que tu comptes faire? T'aimer. Si tu savais comme je l'aimais. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas parti.